Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, je me suis dit que dans cette vidéo, on n'allait pas faire n'importe quel jeu, on allait se retrouver pour une petite partie de MW3, du coup, qui est sortie, je crois, il y a quelques jours. Du coup, j'espère que vous allez bien, et puis, on est parti sans perdre plus de temps pour commencer. Donc, attention, petit disclaimer, je suis... Bah débutant, voilà, je suis que niveau 27, donc je précise, donc soyez indulgent, je suis clairement loin d'être bon, clairement. Mais je me suis dit pourquoi pas, voilà, j'avais envie de jouer au jeu, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Et puis bah voilà, sinon je vous souhaite bon courage pour votre semaine de cours slash de travail. Et puis on est parti du coup sans perdre plus de temps pour faire cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, je l'avoue. Je ne sais pas. Mais on verra ça en temps voulu, peut-être, je sais pas, on verra combien de temps, peut-être une ou deux parties pour une vidéo, et voilà. En tout cas, bah, j'espère que vous allez bien, et on est parti sans perdre plus de temps du coup. Allons-y. Bonjour. Du coup, ouais, on est parti. Donc je ne suis pas un pro, donc désolé si je fais que de mourir, je tiens quand même à m'excuser parce que je sais que il y a beaucoup de... Beaucoup de gens qui jouent à Call of Duty qui sont de vrais pros, mais c'est pas mon cas. Moi, je suis un joueur casual. Ah putain, déjà ça commence bien. J'avoue, j'ai pas le meilleur viseur du monde. Oh putain, il m'a fait peur ce con. Ok. Et bim! Cette vidéo commence bien. Ou pas. Tire pas n'importe où! Ou pas. Ouais, du coup, je suis quasi. Voilà, je suis un petit. Je suis un joueur. Voilà, je suis pas un joueur qui joue tout le temps, à vrai dire. Voire quasiment. Je joue quasiment jamais au jeu. Je suis des tirs. Ah! Pas loin. J'ai fait avoir les deux, pas loin. Bref, en tout cas, bah ouais, du coup, bah j'espère que vous allez bien, et puis bah voilà, moi ça va très bien, je vous remercie pour ceux qui se demandent. Oh merde, il a tué, ah bah, j'en ai eu un à la grenade. Ah bah, ouais, ah putain, c'était brouillon là, cette partie. Changement de chargeur. Hop là, ça va suivre de suite. Si je parle pas, c'est que je suis assez concentré. Donc je vous prie sincèrement de m'excuser. Aïe aïe aïe. Je préfère quand même m'excuser, on est là pour passer un bon moment et pas pour jouer contre des pros, hein. Dans tous les cas, c'est pas forcément ce que je cherche, même si c'est toujours plaisant, j'avoue, de faire des coups. Deux fois, non mais lui, il campe là, quoi. Il campe là, non mais je note. Je lance une grenade! Grenade lancée! Un de moi. Montre ta tête, montre ta tête. Grenade à couvert. Ok. Ah désolé si je... Putain, il m'a fait peur ce con. Non, c'est moi, tout va bien. Don't panic. Je suis des tirs. Grenade! Grenade, à couvert! Grenade! Cible à terre.
Lui à terre. Ah putain. Je m'y attendais pas. Donc ouais, moi je suis vraiment un joueur très casual, hein. Casual, je sais pas comment ça, je crois que c'est casual hein, le terme, j'ai peur de me tromper, mais voilà. Donc non, je voulais vraiment... Ne m'en veux... Oulala, donc je suis très d'être pro, de connaître les techniques, de tout connaître vraiment, hein. J'ai quasiment joué... pas de base un joueur Call of. Je me suis dit, tiens, MW3 est sorti, pourquoi pas... Enfin, ce jeu-là est sorti, du coup, pourquoi pas tenter. Je me suis dit, bah pourquoi pas. Et j'aime bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Call of Duty, hein, pour vous dire, hein, j'ai pas... Mon dernier, c'était peut-être Black Ops 3, je crois... Et encore, ouais, si, Black Ops 3, c'était le gros dernier jeu auquel j'ai joué. J'avais acheté du coup le DVD, mais j'avais vraiment pas joué longtemps. Attendez. Et voilà, quoi, je suis pas un gros joueur, ça c'est sûr. Changement de chargeur. Donc je suis pas un gros joueur pour vous dire, donc ouais c'est pour ça. Mais ouais mon vrai dernier Call of c'était c'était facilement comment ça s'appelle, Black Ops 3. Après j'avais acheté MW2 là, celui qui est sorti là, enfin il y a quelques temps déjà tu vois. Et j'ai joué que 17 heures, j'avais que 17 heures de jeu. Grenade lancée. Donc pour vous dire. Oula, oula, elle glisse pas aussi loin. Donc ouais, j'avais que 17 heures de jeu, après j'ai abandonné le jeu. Là, pour l'instant, ce jeu, j'aime bien, c'est vrai que j'ai pas forcément connu, moi, je vais pas vous mentir, j'ai pas forcément connu les anciennes maps, les anciens jeux, donc j'ai pas la nostalgie qui rentre en jeu, mais je sais très bien qu'elles sont cultes, et bah, très content de enfin jouer dessus. C'est vrai que j'ai jamais été un grand joueur de Call of Duty, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, durant cette vidéo, mais du coup, ça fait quand même toujours plaisir de jouer sur des maps qui ont fait... le jeu. Et du coup, première victoire, c'est plutôt pas mal. Du coup, on va peut-être s'en faire ouais deux parties. Ça dure combien de temps une partie? Attendez, je suis à combien? Oh oui, non, plus que deux même. Oh là, on va faire plus que deux parties. Voilà. Là, on est premier de notre... en vrai, je suis content. Je suis très content. Ça se passe plutôt bien. Bah c'est parfait. Donc je pense que je vais faire deux vidéos. Pourquoi pas faire une vidéo... bah déjà, il y aura cette vidéo full match à mort. Et la deuxième, pourquoi pas faire des parties rapides. Parce que j'ai vu qu'en faisant des parties rapides, on pouvait tomber sur des dominations, etc. Ce qui est plutôt intéressant. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc c'est plutôt cool, quoi, tout simplement. Et puis bah voilà. Opérateur. Opérateur, j'ai dit. On a rien là, on peut pas changer pour un autre. Parce que Ghost, il est là, c'est cool, mais... Ouais. Je sais pas qui prendre. J'avoue, je sais pas qui prendre. On va se prendre. Ouais, j'ai rien, quoi. Ah ouais. En vrai, non, je sais pas. On va laisser par défaut, et voilà. Mais ouais, du coup, bah, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est le but, quoi. Allez, du coup, je fais une petite ellipse et on part immédiatement en game. Du coup, bah, à tout de suite. Ok, on est parti. Alors, je vais juste baisser le son parce que j'ai l'impression que vous m'entendez beaucoup trop faible par rapport au son du jeu. Du coup, bah, on est parti, du coup, pour la deuxième game. Et j'espère que le son était correct. Voilà, bref, allez, allons-y. C'est vrai que le jeu est beau, hein, quand même. Hein. On va pas se mentir. Hein. Il est pas dégueu. Enfin, je m'en rends compte, contrairement à des jeux comme... Enfin, mon dernier vrai Call of était Black Ops 3, comme je vous l'ai dit. Et du coup, on s'en rend vraiment compte, je trouve. Attendez, est-ce que j'ai bien remis ma vidéo en route? C'est bon. Tout bien. Ah, celle-là, par contre, celle-là, je la connais pas. Ouf. Ouais, bah là, on douille. Ouais, je la connaissais pas. Je connais pas cette map-là. C'est la première fois que je la fais, celle-là. Vache. Ça doit être la première fois que je la fais, cette map là. J'en ai fait plein, mais alors celle-là. J'avoue, je la connais pas. C'est pour mes camarades.
On va attendre un petit peu. Voilà. Putain, mais je suis une merde ou... Ouais, je suis une merde. Je suis une... Je suis pas doué, on peut le dire, je suis pas doué. Voilà. Non, mais... Je ne suis pas doué. Putain, il y a du monde là-dedans. Ouais, j'avoue. J'avoue. Ah putain, je la connais pas cette map. Ah, vache, ça fait bizarre. Genre. Par contre, si c'est une map culte, celle-là, j'en ai pas le souvenir. Voilà, c'est pas des maps aussi populaires que Rust, si. Moi, je m'y connais pas, par contre. Hein. Peut-être que je dis une bêtise, hein, mais. Mais je m'y. Je lance une grenade paralysante. Attention, grenade paralysante. Grenade lancée. Oh merde. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc ouais, l'arme que j'ai actuellement, c'est l'arme d'un pack à 500 pièces. En fait, je me suis retrouvé avec 500 pièces. Du coup, bah, j'ai regardé ce qu'il y avait et j'ai acheté ce pack-là. Merde. J'ai acheté ce pack-là et voilà, quoi, tout simplement. Ah, j'ai fait que 3 éliminations. Ah ouais? Je m'attendais à plus, quand même. Je m'attendais à plus. Mais j'avoue que mon problème dans ce genre de jeu, en fait, ce qui me repousse dans les Call of Duty, c'est con à dire, j'ai honte un peu. C'est la configuration de l'arme. Genre, voilà, je veux une arme avec pas trop de recul et tout, ou le moins de recul possible. C'est vrai que quand tu débloques plein d'équipements, tu sais jamais trop quoi choisir. Et c'est ça qui est un peu. C'est ça qui est un peu. Pour moi, c'est ça qui est pas évident. Quoi. C'est vraiment le jeu des équipements parce que je suis un peu perdu moi. Après quand t'as l'habitude j'imagine que oui. Merde, oh le con. Putain mais je suis trompé de touche. Je me fais tirer dessus. Oh bah oh pouf. Je suis mort par un français, quel honneur. Oh là là. Je suis honoré. Ouais du coup on se dit. Ah, c'est dur là. Je me fais éclater. Mais littéralement. Je me fais éclater. Mais c'est vrai que c'est sympa. Franchement, ça passe le temps. Et très content. Très content. Alors j'avoue par contre le prix est un petit peu cher. En fait, je vais pas vous mentir. Quand je l'ai acheté, je pensais que c'était vraiment un nouveau Call of Duty dans le sens nouveau, dans le sens nouveau jeu. En fait, c'est un DLC littéralement. Mais je pensais vraiment qu'ils allaient faire ça. Oui, c'est vraiment qu'ils allaient faire ça en tant que nouveau jeu, et quand j'ai acheté, j'ai fait, c'est bizarre, j'ai pas le jeu. En fait, c'est normal, il était dans mon jeu MW2, et il était en... Ah, attendez, hop, il était en... Comment dire? En DLC, du coup j'ai fait, ah merde, d'accord, je m'y attendais pas, sinon j'aurais peut-être pas payé, j'avoue. Voilà. Alors, hop. D'ailleurs, si vous avez des conseils sur le jeu, n'hésitez pas. Surtout sur l'équipement. Genre, quelle est, par exemple, la meilleure arme pour un débutant. Comme moi, du coup. Mais quels sont les meilleurs ajouts possibles en termes de viseur, etc. Parce que j'avoue... Non mais honnêtement, je suis une merde totale en termes d'équipement. Tu sais pas quoi choisir entre la bouche, le cran, le viseur et tout. Oui, c'est propre à chacun, mais c'est vrai que j'imagine qu'il y a forcément un truc pour les débutants concret, quoi. Et voilà, donc j'avoue, je sais pas, j'ai un peu de mal à ça. Parce que là, l'arme que j'ai actuellement, c'est une arme qui est déjà configurée comme ça. Ce n'est pas moi qui ai mis tout ça. Mais elle me plaît bien parce qu'elle me correspond, genre elle n'a pas trop de recul, elle est bien. Et du coup, je prends vraiment tous vos conseils pour un jeune débutant sur le jeu. S'il y a une technique, ça se trouve, vous allez me dire, bah non, il n'y a pas de conseil, tu joues ce que tu as envie de jouer, quoi, et voilà. Mais c'est vrai que c'est pas... C'est un peu dur, hein. C'est pas... Enfin, il y a tellement d'armes et tout que c'est... Je sais pas si je dois rester sur une arme dès le début, m'amuser à la poncer à fond et à débloquer tous les équipements et rester sur celle-là.
ou tenter de jouer une autre arme que je débloque plus tard au level et grenade paralysante lancée. Je ne sais pas. Putain, mais... Oh ouais, non, je vais arrêter de passer par là. Je vais arrêter de passer par là, on va arrêter. Je vais arrêter de passer par là. Ah mais après j'ai pas le choix, tu veux que je passe par où? Grenade paralysante. Grenade lancée. Attention, grenade paralysante. Je me fais allumer. Ouais bah oui, je me fais allumer, bah ça c'est sûr, bah, ça c'est le cas de le dire ça. Je l'ai échappé belle. Oh, ok. Je suis tellement à fond que je regarde même pas les points, j'avoue. Alors, il a fait quoi lui? Ah mais non mais c'est comme le mec qui joue sniper, respect hein. Moi je sais pas viser moi dans le jeu hein. Je ne sais pas viser hein, clairement. Enfin, déjà je sais pas, je trouve le sniper dur. Alors le sniper, les gens qui jouent à la Quizcop, franchement mes respects. Et les gens qui campent, bah, c'est chiant. Mais techniquement, c'est le principe d'un sniper. Mais c'est vrai que c'est chiant. Et voilà. Mais ouais, mes respects. Bref, du coup, bah, on est parti pour continuer. On ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, quoi. Voilà, voilà. Tout simplement. Du coup, je vais faire une petite ellipse et voilà. Donc pour l'instant, on reste sur des matchs à mort et la prochaine vidéo sera sur des parties rapides pour faire du domination, etc. Ah, j'ai le choix de la map. Celle-là, Afghan, j'aime bien. Je la trouve très jolie. Voilà, je la trouve très jolie. Du coup, ouais, on est parti sans perdre plus de temps. Du coup, bah à tout de suite pour la prochaine partie. Oh putain, c'est bon. Ok, allons-y. Retour, attends. Ok, c'est bon, ça, à chaque fois j'ai peur d'avoir enlevé le mot de passe sur DS, mais tout va. Ah oui, bah là je n'avais plus où viser là, en haut à gauche, en gauche à haut, en haut à droite. Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Non, j'aime pas, je me sens seul. C'est psychologique. Qu'est-ce que tu regardes là? Putain, vas-y, avance. Avance, 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 avance. Ouais. Grenade lancée! J'ai vu un sniper. Et je trouve personne ou ça se passe comment? Je me dirige par là. Ah ouais mais je fais pas gaffe putain, je fais pas gaffe. Je te suis. Il faut que je recharge. Ouais, bien joué. Bien joué. Grenade lancée. Ouh. On va essayer de changer d'arme, on va se prendre celle-là. Alors celle-là, j'ai vraiment du mal. Celle-là, bah, je trouve que j'arrive jamais. Genre, j'y arrive pas. C'est le typique genre d'arme que j'ai également eu dans un pack. Sauf que celle-là, j'arrive pas à jouer. Oh, ouf, ça fait mal, ça. Alors le viseur, je l'ai changé, hein, parce que l'autre viseur, j'y arrive vraiment pas. Ouais. Ce genre de viseur là, je sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Enfin, l'autre viseur de base, j'y arrivais pas, c'était impossible pour moi. Donc voilà.
Alors, allons-y. Oh, j'ai un mec à la grenade. Why not? Pourquoi pas? J'avoue, là, je me suis un peu pété mes chevilles! Ouais. Non, ah, mais bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Merde, oh le con. Ok, je sais pas où aller, mais ok, on y va, allons-y. Merde. Ah, je suis trop nul. Je suis trop nul. Ou je suis moins bon que les autres. Non mais soyons honnêtes. What? Ouais, j'adore Call of Duty, mais c'est ça qui me repousse à chaque fois. C'est les... C'est les armes. C'est les armes. Je sais pas quoi faire. Je sais jamais quoi faire. Je sais pas comment réagir. Quelle arme je prends. Je sais pas. Pas de bol. Ah merde. Si. T'as eu du bol. Saloperie. Saloperie. On va se mentir, Call of Duty, c'est un jeu qui fait rager. On va se mentir, hein, le but premier, c'est de rager, hein, son jeu. C'est même pas de s'amuser, hein, c'est de rager. Tu rages et après, tu t'amuses. Mais pas l'inverse. Il m'a fait peur, je m'attendais pas à ce qu'il soit là. J'avoue, j'ai sursauté. Je m'attendais tellement pas. Pêche! Non. Ah! Ok. Non mais très bien. Non mais allons-y. Hein. Pourquoi pas, hein. Why not, hein. Why not? Why, 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 why not? Alors j'essaye de parler en même temps. Ce n'est pas facile, mais j'essaye. Merci de m'avoir sauvé, mon pote. Ah bah, ok, victoire. À chaque fois, je me laisse surprendre. Ça va, on est bien. On a combien de minutes de vidéo? 24. Bah écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve, bah, je vais tourner la vidéo immédiatement, du coup. Bon, je vous retrouve, du coup, pour une vidéo où on fait des parties rapides en espérant tomber sur des magnifiques modes de jeu. Du coup, bah, bye bye tout le monde, et puis bah, portez-vous bien, et puis bah, du coup, bah, tout de suite, hein, la vidéo sera le lendemain, donc sûrement mercredi. Donc cette vidéo à mardi, aujourd'hui, et la prochaine vidéo, ça sera demain, voilà. Bref, bye bye tout le monde, et portez-vous bien, ciao ciao!